Allez, du coup, on se retrouve pour cet épisode 13, si je ne dis pas de bêtises. J'ai eu un problème avec la sauvegarde, je pense que je ne suis pas exactement où j'étais tout à l'heure. Ah si, il y a quelque chose près, c'est juste que je m'étais arrêté dans cette position là. Et que du coup voilà, j'en étais à peu près là, c'est ça. Bon ben du coup c'est reparti. Avec quelques personnes qui me regardent sur le stream pour me soutenir psychologiquement, ça va faire du bien. Voilà. Ah mais les gens là ils sont en mode prière. Oh, ils sont tous en mode vas-y que je prie. Oh allez, ça commence. Putain, ça marche. Ah putain. Ils sont tous en train de prier. Oh, un dossier. Je suis un supplicateur indigne qui ne peut suivre notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi, Wallrider, que mon apôtre du berger y assiste et le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure. Votre temps en ce monde est venu, ma chair réclame votre magnifique spectre. Mon sang est rempli de vous et attend d'être libéré, telle est ma prière. Écrivez votre évangile dans ma chair. Vous voyez pas là? Pourtant moi ça a l'air de marcher. Faites un rafraîchissement. Ah, c'est bon au niveau des pitchs, ok. Ok merci Kiki, tu me rassures. Bon par contre par où je vais là? Ah, caméra. Putain, les musiques de prière là, elles sont tellement... Ça me fout les frissons. Je l'ai pas ouvert là. Oh. Oh, vous êtes dans le noir, vous. Mais bah écoute, si qui dit que ça marche, c'est que rafraîchit complètement. Bah je sais pas. Mais là je suis bloqué en fait, je sais pas quoi faire. Relance ta page web complètement. Mais par où je passe ? Ah ouais, mais d'accord, faut que je sorte par là. Ok, ok. Ok, merci, espace. Allez. La musique, arrête-toi! God hate sickness. Dieu déteste la maladie. Dans ce coup-là. Oh! Oui. Tu attends une minute, je reviens. On se voit tout à l'heure. Mais ça va, tranquille. J'ai le zboubel là. Normal. Tu me brûles pas toi. Oh là là. Oh. You are the
The promise of the prophets was always freedom. And here it is. You will watch. My resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. Plus aucun danger. I fixed the door. It will take you to freedom. Tous we will all of us be free. Pourrait me dire ce qu'il se passe. Bah, au pire, tu pourras regarder. J'ai fait plein de vidéos sur le jeu. Oh putain! D'où je vais où là? Tout est fermé! Tout est fermé! Une porte! Putain, putain! Oh. Allez, on se casse. Ah putain. Oh ah. Je sais pas où il faut que j'aille. Pitié. Oh. Où ça, où ça, où ça? Je suis perdu, putain. Non. Non, non, putain. Oh. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. Oh putain. La porte, la porte, la porte, la porte, y'a pas de porte, y'a pas de porte. Non, il m'a vu. Oh merde. Laisse-moi, laisse-moi. Oh putain. Putain, putain. Je sais pas où que je dois faire. Y'a pas de porte là, les chiottes. Ferme-toi. Ferme-toi. Non, il sait que je suis là. Qu'est-ce que je fais, Ricky? Putain, je vais crever. Je sais pas. Je t'ai pas demandé de m'attaquer, putain. Bonjour, c'est bon là. Non. Oh, mais putain de gros taf, fous-moi la paix là. Où je vais? Où je vais? Oh merde! Qu'est-ce qu'il dit? Dans la salle tout noir, tu as un distributeur au-dessus, tu as un conduit dans la direction, va dedans. Merci!
gros tas de... C'est pas par là. Putain, je me plante. Il y a un conduit. Où ça? Ah putain, il est où le conduit? Oh merde. Merci Play Ubi. Oh putain, j'ai mal au cœur. Merde. Mon stage bot, je suis désolé que ça marche pas pour toi, mais. Oh. C'est censé descendre à ce point là? Ah, c'est à cause du fait que tu puisses pas switcher la qualité. J'essaierai de regarder ça après. Là, tout de suite, pas maintenant, après l'épisode. Oh, tout est glissé là. Tout est glacé, pardon. Je vais essayer de t'arranger ça après, moustache. Le DLC, je savais pas qu'il y avait un DLC d'Outlast, je pensais qu'il n'y avait que le, l'Outlast 2. Alors, lecture. Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, publié anonymement en 1818, extrait chapitre 23. Mon sieur, m'écriai-je, en dépit de l'orgueil de, voir, de votre savoir, comment vous êtes ignorant. Assez, vous ne savez pas ce que vous dites. Furieux et troublé, je me séparerai du magistrat et me retirerai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Ça sent la fin du jeu, ça. C'est charmant. Ouais. Bon, on va essayer de profiter un peu de la déco parce que la déco est sympathique là. C'est sympa parce que on y voit bien, donc c'est pas stressant. Des membres conservés. Petit bain. Contre
rendu de préparation post-mortem. Note, tous les documents inclus doivent être transcrits et revenus selon les directives des archives de la Murkoff Corp. Voir le formulaire. Rédacteur Jennifer Roland. Note, ma 14e autopsie d'un patient. Wall Rider, il ne présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Quelques progrès en matière de migration cellulaire et de morphogénèse, y compris des effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine. Mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant et indépendant. Je suis épuisé, je doute de mon jugement, je vais présenter une autre demande de congé. Le coût psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés et incontrôlables devient trop élevé pour moi. Je songe à suggérer de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un nazi sénile pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine majeure du sperme. Sympa. Et je vais réclamer une sédation chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise alors qu'on lui avait administré assez de tranquillisants pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de manière contre-productive. Le moteur morphogénique, quelques formules de maths, un algorithme, il nous reprogramme, il fait de nous des usines à cauchemars, quelques nombres sur un tableau qu'on me donne une scie et quelques heures en tête à tête avec le cadavre de Wernick. J'ai un ou deux trucs à faire payer. Bon, je vais garder la caméra en main du coup. J'ai peut-être loupé pas mal de trucs. Elle est là, pourquoi je veux pas mettre la caméra? Voilà pourquoi. Putain. Bon, de toute façon ça fait le temps, j'ai pas trop envie d'aller dans le noir là tout de suite. Je sens que ça va être chaud. Donc je coupe l'épisode, je crois 13, ici. Nous reprendrons tout de suite après. Pour les gens qui sont sur le stream, ne vous inquiétez pas, on va continuer. Juste le temps de faire peut-être quelques réglages pour essayer de régler le souci qu'il y a avec Moustache Bot. Voilà, en tout cas des gros bisous, merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous kiffe, à bientôt.